Bienvenue sur Contact Pro Live. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour. Et mes salutations, vraiment, je suis très heureux encore d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de notre pays. Comme vous aviez remarqué, effectivement, ce n'est pas des ratés, mais des absences que j'ai pratiquement justifiées. Je vous avais dit que nous sommes en train de préparer quelque chose pour l'année prochaine et cela nous prend beaucoup de temps. Je suis très ravi parce que cette absence est remarquée et les gens continuent à m'appeler, surtout que l'actualité est abondante et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain à Kinshasa avec la nomination, le passage en force quoi, de Denis Kadima. Et puis les histoires, beaucoup de choses se passent à Kinshasa et puis beaucoup de gens voudraient avoir mon point de vue. D'entrée de jeu, je veux vous dire que Biso Awa Tolandaka, Actualité T, nous donnons des analyses sur la construction de notre pays. Actualité Zalaka vraiment, et là, comment tu analyses Kango dans la Constitution. Donc, nous ne donnons pas nos commentaires, nous ne donnons pas nos points de vue. Nanya Kolonga, Nanya Bimi, Marche Zalaki, Nenini, tout ça. Non, nous n'analysons pas les choses dans ce sens-là. Ici, nous donnons notre point de vue, la voie à suivre. Voanini Batu Oba Kikolanda, Ponako Bongisamboka. Donc, c'est ça qui nous préoccupe. Biso préoccupation na biso ezali kopesa nzela tolobi awa makamunenge zo skende boye ezo kende malamu te. Voici la voie à suivre. Et ici, je vous dis que nous sommes très contents parce que depuis les choses que nous annoncions que jamais pour que mboka oye bonga toko concentré ango na Kinshasa te. Nous devons faire des programmes qui doivent aller sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Donc nous parlions dans le temps des 145 territoires que le programme où il fallait et ben salement il faut salement dans les 145 territoires. Donc aujourd'hui toko na ko limbola lisusu parce que je sens que na bato bazana pouvoir bazako landa masolo oyo. J'ai suivi dernièrement la dame de la Banque mondiale na Nicolas Kazadi, ministre de la Finance et tout ça. Ils ont parlé effectivement de ce programme-là de 145 territoires que nous annoncions depuis longtemps. C'est pour cela que nous continuons à nous dire que non, il faut que toi éclaircir les locaux, on a batouana parce que, bazwa kita ya kolanda biso, toi éclaircir les kambu, oh, nenge tozo kanisela, comment est-ce qu'on salema, nandengwana. Donc nous parlerons dans cette émission de l'administration du territoire dans les 145 territoires de notre pays. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre, comme d'habitude, le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC Samalou Konde préside la cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle. Et puis à CENI toujours, entérinement de Denis Kadima, l'ancien dircap de Joseph Kabila s'exprime. On va sur actualité.cd, accrochage entre les forces congolaises et rwandaises à Kibumba, les explications de Vincent Karega. Et puis Gisèle Ndaya a discuté des enjeux de la conférence de masculinité positive avec les ambassadeurs. Congo profond, taxe RAM, Lucha Filimbi et les consommateurs lésés exigent la suppression et des poursuites judiciaires contre Kibasa. Et puis la synergie des enseignants radicalise la grève. On va sur 7 sur 7. Kinshasa, des parlementaires africains invitent les États au respect des engagements de la biodiversité des climats. Et puis Kinshasa toujours, des organisations de société civile donnent 3 jours au gouvernement de supprimer RAM. On termine par Radio Okapi, naufrage à Bumba, les sinistrés reçoivent de l'aide financière du gouvernement. Nord Kivu, 7 morts lors d'un affrontement entre le FARDC et les miliciens à Kitakandi. Merci, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro, au revoir. Voilà,
Bandeko, toute l'actualité est concentrée sur passage président Kosala Ndengenini, tout ça. Un mot sur ce point-là. Nazolobe la likambwana te pneme. Parce que aujourd'hui, Akibumba ça tiré de tous côtés. Donc, na, à l'est de la République démocratique du Congo, tozo kamwa, batu o ba journaliste o ba jale lo baza ko lo baza ko annoncer que non ba siège à ba ko ba zo ben ngo kutu ba kadeko eza ko deko eza kadeko teza ko deko ba journaliste ils sont venus nous dire non vous voyez bozolo ba bolo ba mingi armée là, combien de fois cette armée là va récupérer ce siège de ko deko? Combien de fois ba hepsa kibino ke no ko deko bastion na bango ba récupérer amo? Donc, bandeko wane zaba blablabla, oh, bisoto ko lingat kon lubate. Ce qui se passe encore, na si j'aime sousou, oh, toza ko na lingina brosse ango, eza li kambwa, ya denika di mandenge, parlement, bobulu ele ki na kota parlement. Ça profite à qui? Moi, je vois ça sous l'œil ya koloba, ba ennemi ya fachi. On est en train maintenant de l'enterrer. Vraiment. Parce que Fachi, c'est le lo oyo. Ce qui a landi, makambo oyo, batuna yen denge baza ko linga batindika ye, akoti kate peuple à côté. Or, ça sera, nous allons continuer de tricherie en tricherie. Batu bako adere te na programme ya kobongi samboka oyo te. Bon se souvenir que makambo nga na lobaka angoka la na lobi. La façon dont nous sommes en train de partir et que bon sakamboka oyo atamukete. Nous sommes très mal partis et que les gens doivent se ressaisir pour l'instant en se disant que non. Il est grand temps de nous arrêter, de voir qu'est-ce qui nous divise. Et là qu'on est nango za kabola biso. Place ni nango to lingito memamboka. C'est pour cela awa. Tomande koloba tolobi. L'organisation de ce pays, décollage à pays haut et qu'on dépendre le courage à président de la République, il y a qu'on comprendre le problème en haut, il y a Mboka Oeza Wapi. Il est en train d'aller justement sur le pas de M. Kabila. J'en avais parlé depuis longtemps que le président va recruter, le président Aza, il sait. Il continue toujours à faire les lits de Kabila. Azako protéger Kabila, zo protéger système moko oyo et ça la faillite. Et ça nous avions dit que le président n'a pas eu le temps de réfléchir ou bien batuna ba za ki na temps à réfléchir te que non. Bandeko, quel est le besoin vraiment ya Mboka? Est-ce que Mboka oyo ça n'a besoin Mbongo? Avons-nous besoin de l'argent dans ce pays aujourd'hui? Bien sûr que Mbongo ne toza n'a pas besoin, mais est-ce que Mbongo oyo toza ko kende ko lukalibanda toza ko kozwa mona kati ya Mboka te? Le problème de ce pays, est-ce que ça va capitaux? Est-ce que ça va ba investisseur? C'est ça le problème de ce pays? Je ne pense pas. Et je continue toujours à dire que le grand problème de ce pays, ce ne sont pas les investisseurs. C'est un problème en Mboka, il y a Mbongo te. Mboka o problème nango ezali organisation. C'est l'organisation qui nous manque, la discipline. Bandeko, je vais vous donner un exemple qui tant on a za kota la yango bo na zo mona na lobi bandeko oyo eza Mboka o tozo kene nango wapi? Un professeur qui se dit que non, aza professeur ya constitutionnel en Afrique du Sud, aza kolo. Mais yé moutou aza ko favoriser l'indiscipline des gens. Batou aza kolo ba, oh, nende démocratie salem, atende mwana démocratie salem akabongo te. Nos lois doivent être respectées. Comment moutou, un député, il peut venir se déclarer que nga aza moutou opposition? Et vous dites, bon, ok, n'engos à mouton opposition. L'opposition est organisée comment? Parlement n'a bien nous a organisé. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Bon, il justifie ça en disant quoi? Le député, c'est un député national, il peut prendre. Donc, il oublie que pour député, Akomakuna, Ayaka Nakati, ma parti politique. Et je crois que les gens, pour respecter ma parti politique, il doit y avoir des idéologies.
Vous allez dire que non, mais tout le monde est comme Kaboué. Oh non, comité parlementaire, Rwanda, sur une commission de la parité, Rwanda, nous avons eu les gens de l'opposition, tout ça. Ça m'a blessé dans le temps de la lobby, mais Moutou Oyo, nous pensions que vraiment intellectuel, mais Botala Nenge, Azako Kouissa Moukondinae. Moi, je crois que ce sont eux qui sont à la base. Ce qui fait que la Ndi Batou Oyo, Biloko Oyo, Eko Soukamabe. Alors, nous avions dit, on a une petite parenthèse, on a parce que les habits qu'on a vu sauter. Et là, qu'on a vu ces années, l'administration du territoire, les 145 territoires. Bandeko, j'ai suivi interview et puis c'était même ça l'ossature émission à l'élo. Le ministre des Finances et puis non, madame la Banque centrale, reçu par Nani Top Congo. Nayoka Kip Esengo. Moi j'étais content que non, quelque part, il y a des gens qui me suivent. Tango Baloba qui kaka balobi que non, Mbongo Ezali, pour un programme à 145 territoires. Mais comment on va y arriver? C'est ça. Donc l'argent est là. Le programme a été retenu. Que non, il faut que Tobanda qu'on développe à partir de la territoire. On attend que non. C'est là où est fondée ma joie. Ma joie est fondée nanani akoloba que non. Quelque part, bato bazo dirige mboka o bayo kaki que pour construire ce pays, on ne le construira jamais au sommet, mais c'est par la base. Mais malheureusement, écoutez bien maintenant ici. Pendant qu'on investir na katiaba territoire wana, il ne faut pas jeter l'argent comme vous êtes en train de jeter l'argent de Bossala qui va programmer à 100 jours. Nous sommes un pays qui regorge des intellectuels. Mettez-vous pour réfléchir comment est-ce que Tokosala. Et voici la piste. La piste est celui-ci. Avant d'injecter quoi que ce soit, avant de faire un programme, quoi que ce soit dans les territoires, la première des choses, il faut d'abord aller préparer les gens pour accueillir Mbongwana Bako financer Kuna. Vous aviez parlé, dans le temps, j'avais parlé de 2 millions dans, tout ça, dans les 145 territoires. Ça nous faisait à peu près une affaire, il y a quelque chose, 500 millions ou bien 700 millions. Oyo, Mbongo, ce qui t'ont injecté à mon quand il y a 145 territoires, on a, et que ça a l'impact. Mais pour que Mbongwana ça a l'impact, nous ne pouvons pas les jeter comme ça. Tu vois que Mbongwana a été dans le tu que tu as puits, tu que ça a boit, tu que bon ça balabala. Là, nous allons commettre une grosse erreur. Moi, je vous parle ici parce que nous avons un projet et nous avons une directive à réaliser le projet, on a cofinancé ma base. Là, ce n'est pas l'argent dont le territoire a besoin. Les territoires n'ont pas besoin de cet argent-là. Mbongo, autre territoire, ils ont besoin. J'ai dit que ça, ils auront besoin de cet argent après qu'ils aient bien été organisés. Après, ce qui est aussi ton tien, ma structure. Les structures, ce ne sont pas les bâtiments. Il faut que nous convoquions. C'est pour cela que moi, je disais, nous devons d'abord convoquer des conférences, nous devons convoquer bah, état de lieu à ma province, à ma territoire. Wana. Il faut que les états de lieu des territoires aient lieu afin de conscientiser le peuple à la base en leur disant que non, voici ce que vous devez faire. Et donc, oh, il faut que vous ayez parce que vous avez la vie de 2 millions awa. Mais 2 millions awa, vous avez Kinshasa vie de 2 millions awa. Que non, oh, batia kimbongo awa, teo. Non, vous devez vous prendre en charge en faisant des promesses et en faisant des actes qui iront dans le sens à Koloba que non. Batu oyo bo pesi bango mbongo bolobi mbongo oyo ezabi sote mutu toko jere yango mutu te oyo akosimba mbongo oyo si que sans que vous nous donniez une structure et administration à territoire nabino. Quels sont les projets? Comment est-ce que vous allez vous organiser? C'est ainsi que moi j'ai dit, il faudrait que ma conférence soit dans état de lien à ma territoire on est salement afin que tant que le territoire est réuni, par exemple,
sur la construction de la maison communale à chaque territoire. Place ni n'ango boko banda ko sala, nani ango ko sala misala, comment l'argent sera géré, comment les impôts seront récoltés dans votre territoire, parce que mbongo oye koya, eza eate keno, eko kwota na... Nous devons d'abord mettre les mesures de garde, il y a quoi encadrer les mesures d'encadrement pour que Batouana, comment est-ce qu'ils peuvent se prendre en charge? Comment est-ce que ces gens-là peuvent contrôler leur territoire? C'est ainsi que nous pouvons placer l'argent. Mbongo otoza nango lelo tolobi baloba ki bien que non mbongo ezali en tout cas bazota la kaka soki ba élection, c'est là où ça m'a blessé encore en disant que batu o bazoka ni sake élection nde mutu ekosala mboka na biso et changer mboka na biso. Non, le changement doit venir dans le mental, le changement doit le peuple congolais à la base doit se sentir en se disant que non, ce ne sont pas les partis politiques. Mais ça doit être nous à la base que nous devons nous organiser pour que toi gérer mbongo, pour que toi yeba ndenge nini mbongo uta kawapi, mbongo kenda kawapi, mbongo salaka nini. Et comment mettre les mesures à koloba ke non? Administrateur de territoire na biso toko ponaye après que ba état de lieu wana esalemi, aboutissement ba état de lieu kozala nini, et kozala ba poni ba ngomo kobatu, ba gestionnaire ya ba territoire wana, ba poni bango moko système ni nango bako sala pour que tangu mbongo koya, quels sont les projets prioritaires na kati ya ba territoire. Il ne faut pas que Kinshasa aloba ke non kuna bozo zanga mai, il faut tie la bino pui. Non, que ça ne soit plus Kinshasa qui doit faire ça. Et maintenant ne place wana na bande ko lobana lobi bande ko o baza ko yoka baza kolanda ba émission oyo boyo kakape malamu bolanda kape. Ce n'est pas, c'est comme vous aviez dit, on ne peut pas commencer à aller donner 250 000 dollars au tosali puisque le premier ministre a fait dans le Bandungu. Ça c'est de la foutaise. Bon, outil na batu na Kinshasa pendant que batu ya soki ya kwango baza kuna batu wana nde mtu ifo baza la ba responsable na bango mbongo wana ba propesa bolobi bino bo s'organiser pour que mtu ayi bate pour que musale salema batu ba oba appel d'offre ba nani yango ba kosala misala wana. Vous allez favoriser les gens de votre contrée batu nini yango, vous devez être en contrôle ya ba projet na bino pas Kinshasa. Et c'est là où nous avions dit que c'est place où on a des courage à Mokonzi, à Mbokalelo, il faut salema. Il faut mon ana plutôt courage à Koloba Kente. Nous allons commencer par construire ce pays à la base. Ce qu'on a dit, on 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 a Moïse, Katumbi, tout ça, tout le monde veut se battre pour le pouvoir. C'est que les gens se battent pour pouvoir oeza lelo. Pouvoir et la mafia, pouvoir oeko contrôler le komo kote. Vous voulez vous mettre là-bas aussi pour manger. C'est là où nous avions dit que Tshisekedi pouvait réussir en disant, en s'imposant en disant, Bandeko, ma kambo est élection avec Kende. Tant Kende n'a une authentification, identification à Batu. Pourquoi, comment est-ce que nous allons aller de bon
bonnes élections, pour organiser les bonnes élections, il faut tout ça la même identification. Planification à cause de l'identification, est à la juste. Ne créez pas une agence à Kinshasa en disant que non, OIM et que ça l'identification en donnant des histoires un peu floues. Non, l'identification doit se faire par le fils même de ce pays. Et donc, l'identification devra être traitée dans les conférences où il y a un état de lieu et un territoire. Quand il y a un état de lieu, il y a un état de lieu, il y a ok. Bisso Awa, comment est-ce que nous allons nous prendre pour avoir, pour identifier tous ceux qui sont dans notre territoire? Awa, Bisso, tu peux se prendre en charge de Ndengeni. Et c'est ce chemin-là que Tshisekedi devrait prendre. Bisso, tu le bac à Nébandelia, tu le bis. Pardon, Tchichi, tu bandes à zéro. Tu proposes à Kabo et tu le bis. Boukana ou Assemblée nationale, on a renvoyé tous ces gens-là d'aller organiser les états des lieux de territoire afin que va traiter l'ikambo à identification, va traiter l'ikambo à sécurité, va traiter l'ikambo à il y a constitution, comment l'administration du territoire devrait fonctionner, ba service non soit na ba rétablir l'ango ba mon andeni comment faire. C'est comme ça le but il y a senana nana assemblée. Les gens d'autres m'avaient dit que non, qu'on allait un petit coup d'état. Moi, j'ai dit au moins à la coup d'état, mais un coup d'état qui pourra être facile à Koloba. Non, tout remettre le pays n'abîme son arrêt. Comment les autres coups d'état se précipiter que tout n'est pas élection. Les élections que nous allons organiser aujourd'hui déjà est mal parti. Nous serons obligés donc le président. Bato ya chichio baluba bakoza la obligé ko forcer ka ba makambo ko forcer ka to koma na consensus mo côté. Donc nous sommes déjà très mal partis na makambo ba élection. C'est comme cela que nous sommes dit to casser loko oyo. Fachi banda makambo masolo na bana e bandeli. Imposer les gens, c'est que parce qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît. J'avais dit que nos solutions ezali solution moko globale. Masa si wo ezako beta kuna na nane na est likambo yo kiko sila kaka na un jour na un mois tant que batu bakoyoka ke non il faut tous se rassembler na rassemblement ezalani to zako remettre pays en rail il faut tout ça la ba identification il faut tout ça la to pour na ba administrateur tout ça la pouvoir batu nyonso o bazana kati ya ba territoire ba yokana ba banda ko sala sécurité na bango ba biloko na nyonso. Batouana nyonso bakoya sur table parce qu'ils sauront que non, le pouvoir maintenant revient dans les territoires. Les administrateurs des territoires seront votés par Batou nyonso au Bazali, Nakatia territoire. Donc, les gens auront intérêt à se mettre ensemble et à travailler ensemble pour protéger leur terre. Mais à part ça, et là, comme Soussunga n'a pas comme on a été et comme nous savons, c'est pour cela nous disons ceci. Fachi Azana, entre le marteau et l'enclume aujourd'hui, ou choisir le peuple, recommencer, ou commencer, continuer cette marche à Kolobatozo, Kendekaka, Bissoukakane Moutokosal. Mais conséquence Nangwezali, conséquence Nangwezali, Mbokanabiso Kopongakate. Parce qu'à ce moment-là, nous travaillons pour notre ventre, pour la ventre, le ventre de Abatoyo. Ce sont ces gens-là qui en bénéficient. Mais pour tous si les Salikambu, Oyo, il faut recommencer ce pays à zéro. Que le peuple, nakati abanani on a ba territoire wana, ba conférence là, ba état de l'air ba territoire wana, ba kobimisa batu, ils vont ba kobimisa classe politique asika. Oyo ko kende na province ndeko kende na niveau national. Où nous aurons batouana bakokende bako bakouta na territoire ba memami na province ba s'encadrer wana ba monique ba relire ba biloko wana ba memorandum wana nyonso tout ba tchango ensemble ale ba biloko wana nzo et qu'il forme oeza actuel o ngana za koloba. Les 26 provinces aujourd'hui peuvent nous aider beaucoup à remettre ce pays sur les rails et entrer dans la 4e république. Oh, le peuple a cause à la pouvoir, il y a qu'on contrôler ma tombe à Zako Kendi. Il y a qu'on contrôler base et à qu'on se prendre en charge. Et c'est là le peuple, c'est ça là, le changement que le peuple est en train d'attendre. Bande qu'on a qu'on soukawa l'élo.
tout en espérant et en remerciant beaucoup de gens qui sont en train de s'abonner. Bato bozo tia ba like wana eza ko pesa moi genre na émission na biso. Eza pesa kilo na émission na biso. Partagez ba émission oyo bandeko. Soko moni ke non na lobby mabe, benga ngai na solo laka na ngai. Na solo laka. Bato oya ide pes. Oya zak ba bazana Kinshasa. O ba benga kingai. Je vous dis que je suis très prêt ya ko expliquer likambo oyo. C'est pour le bien de notre pays. Ce qui vous sali en go mabe, bandeko, et ko souke la bino pe mabe. Mais ce qui toke na go nanzela wa koloba, ce n'est pas moi, mais c'est pour la génération future. Et ça bi sauté. Tous à la tena likambo na koloba, non nous faisons ceci parce que nous allons gagner. Et ça likambo a ko gagné, te za ke batuba gagné te. Et ça que likambo a peuple, et se retrouve, moutou na moutou pays na bi sauté, tous à la kane ti baninga ba. En Afrique du Sud, basa ko organiser ba makambu na bango awa dans la quiétude, batu basa ko na consensus parmi toyokana. C'est ça qui nous manque. Bandeko, partageons cette émission. Tozolo bela makambu oyo ya solo. Nous n'avons pas besoin que il y a des millions de déjà balanda biso. Non, nous avons besoin de cette élite. C'est pour cela au début je vous ai dit que nazo sepela trop parce que les dirigeants de ce pays nous écoutent et ils ont senti que non, la base est la seule. Et la base, c'est par là où, quand on organisera la base, c'est par là où le développement de ce pays sera assis. Merci beaucoup. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.